Salut tout le monde, c'est Louis Desprod, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur After Effects et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une transition qui est très simple à faire, très rapide et qui rend très bien sur vos montages, sur vos édits, etc. Donc on va le faire, je vais vous expliquer comment le faire avec le plugin CC Jaws, qui est un plugin qui est directement offert avec... qui est directement fourni avec After Effects une fois que vous l'avez, donc vous n'avez pas besoin de le télécharger. Enfin, quand je dis ça, surtout pour la version CS4, je crois que la version CS5.5 n'a pas les CC. Enfin, ça, ça vous débrouillez. Non, mais je crois qu'il y a un pack pour les CC pour la CS5.5. Vous avez qu'à chercher sur Google. Enfin, bref. Donc, je vais vous montrer comment faire cette transition que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je l'ai fait avec deux clips rapidement, donc ça rend pas incroyablement bien, mais ça va vous montrer approximativement ce que vous pouvez faire avec le plugin. Donc, c'est parti. Tac, et voilà, donc c'est très rapide. C'est en fait cette transition là qui se passe comme ça avec, je sais pas, moitié des. Enfin, ça arrive des deux côtés. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, donc c'est très rapide et ça rend quand même très très bien. Donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va créer un nouveau projet dans After Effects. Voilà, hop. Une fois que vous avez créé votre nouveau projet, on va créer une nouvelle composition que moi je vais appeler tuto. Avec une largeur de 1280 par 720p. Pixels plutôt. 60 images par seconde sur une durée de 30 secondes. Ok, ça les réglages, vous faites comme vous voulez. Ensuite, moi je vais prendre mes deux clips que j'ai mis ici. Voilà. Donc, alors, une fois que vous avez glissé vos deux clips dans votre projet d'After Effects, vous prenez votre premier clip que vous avez glissé sur la timeline, comme ceci. Et donc, vous pouvez voir que maintenant on a donc notre clip. After Effects, donc tac, voilà, on en le fait avancer, on va se mettre au moment où vous voulez que la transition commence, on va dire qu'elle va commencer ici. Une fois que vous êtes placé à l'endroit où vous voulez que ça commence, vous prenez votre deuxième clip, que vous glissez lui aussi sur la timeline, par-dessus le premier, hop, et que vous allez mettre juste au début où vous voulez que la transition commence. Donc une fois que les deux sont à peu près bien placés, on va chercher dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous sélectionnez effets et paramètres prédéfinis ou vous faites le raccourci CTRL parenthèse qui s'ouvre. Enfin bref. Donc, une fois que vous avez votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis, vous allez chercher CC Jaws. Une fois que vous l'avez, vous le prenez, vous le faites glisser sur votre deuxième clip. Donc là, vous pouvez voir que maintenant, dans les effets du clip de votre deuxième clip, vous avez le plugin CC Jaws. Donc, on a plusieurs paramètres que vous pouvez voir, Competition, Center, etc., etc., qui sont donc les paramètres donc pour modifier et pour paramétrer donc la transition. Déjà, on va commencer avec la Competition. Donc, la Competition, c'est le niveau, on va dire, de commencement, enfin d'avancement de la transition. Donc vous pouvez voir qu'on peut faire très simple avec la transition. Donc pour commencer, on va donc se mettre à 100%. Hop, on se met à 100%. Vous cliquez sur le chronomètre de Competition et vous avancez, on va dire, de 8 images clés. Donc vous faites CTRL et vous avancez de 8 images avec la flèche de droite de votre clavier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous êtes à 8 images clés, plus tard, 0%. Une fois que ceci est fait, donc on va faire une petite preview pour voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez voir, bon, c'est rien d'incroyable, mais c'est déjà ça. Donc, bien évidemment, après, vous n'êtes pas obligé de mettre à 8 images clés, vous pouvez mettre plus rapidement, donc on va zoomer comme ceci. Hop, on va zoomer pour voir mieux ça. Donc vous pouvez mettre par exemple à 4 images clés. Enfin, c'est à vous de voir. Donc. 8, ça fait peut-être un peu long. Donc moi, je vais mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop.
Voilà, comme ceci, donc là ça devrait être mieux. Enfin bref, c'est à vous de voir comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez réglé, vous avez fait le plus important, vous allez pouvoir personnaliser la transition comme vous le souhaitez. Donc, center, moi je n'ai pas y touché, donc ça c'est à vous de voir. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Niveau 8, pour faire comme j'ai montré dans la preview. Niveau 8, on va dire ça comme ça, je suis pas sûr de mon anglais, mais c'est pas grave. Vous mettez à 100% pour avoir des angles le plus aigus possible. Vous voyez que c'est beaucoup plus fermé, enfin plus ouvert. Enfin, ouais, bref. Enfin, vous voyez, c'est pas pareil, enfin c'est mieux. Niveau 8, pareil, vous mettez au minimum là cette fois, donc 2 c'est minimum. Vous pouvez voir que là c'est vraiment plus fermé. Et donc, on a quasiment l'effet de fait. Vous avez juste à changer dans Shape, mettre RoboJaw. Et mettre dans Direction, pour rendre un petit peu mieux l'effet, mettre par exemple 45 degrés. Donc voilà, donc là on a la transition de fait. Je vais faire une petite preview rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc on a fait la transition avec le plugin. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après, vous pouvez, comme je l'ai dit avant, faire la transition plus lentement. Donc, par exemple, pour un sur 6 images clés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se met à 10. Hop, et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est plus lent, mais ça rend quand même aussi bien. Donc, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à personnaliser la transition comme vous le souhaitez, comme vous trouvez que ça rend le mieux pour vous. Voilà, le tutoriel il est fini. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels, pour voir mes autres edits. Mise de montage, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et salut tout le monde.